Et hello. Bonjour Twitch, bonjour la rediffusion YouTube. J'espère que tout le monde va bien, que vous portez bien en ce début de semaine. Je viens de mettre en ligne mon TikTok. Oui, c'est bon, il est en ligne. J'espère que vous allez bien, que votre journée s'est bien passée. Moi, ça n'a pas été trop bien sur la fin de la journée, donc. Petit live chill, tranquille, sur Waven. Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un mode cosmique, il reste 35 jours. On le fera sûrement en live. En attendant, Waven. Ah oui, bah oui, mais si je mets pas l'écran du live, vous ne voyez rien, évidemment. Saison Wakfu. On testera le mode cosmique une autre fois, ou peut-être dans la soirée, on verra. En attendant, ça fait longtemps que j'ai pas joué, ça fait depuis la vidéo que je vous avais faite. Attendez, je vais regarder la vidéo que je vous avais faite à date. C'était en live en plus que je vous l'avais faite. Attendez, je regarde, c'était avant GTA. Avant que je fasse du GTA quand même. Faut le faire. Non. Ah voilà. Waven, il y a 7 mois. 8 mois, je vous avais fait la découverte en live. Et j'avais fait une ouverture de coffre. Oh, ça date. Ah, j'ai plus de son, c'est vrai. Mince, je l'ai enlevé pour le début du live. On va le remettre. Mode histoire. Te voilà dans l'interface du mode histoire. Ici, tu vas pouvoir suivre son parcours dans l'histoire principale du jeu. Et rencontrer différents personnages emblématiques de l'univers. Si tu bloques sur une quête, tu devras d'abord gagner quelques niveaux ailleurs avant de pouvoir continuer. Ok. Bon, on va faire ça après. Personnalisation débloquée. Tu as obtenu un effet de personnalisation, personnalise ton héros avec et révèle ton style unique au grand jour. Bon, vous avez pas de son, je suis désolé. En attendant. Dans une interface, tu peux acheter et équiper des éléments de personnalisation pour tes personnages. Tu peux les essayer et les équiper pendant tout le long de ton style. Ton sens du style. Ok, il y a la boutique. Ok. Fragment de Wakfu. Clélia Cube. C'est bon, je peux changer. Je peux remettre le son? Voilà. Je sais plus c'est quoi mon personnage. Oh! Mon dieu. Xekitsu. Ouais, c'est un Xelor. Voilà. Pourquoi faut pas chercher. Oh, j'ai pas joué depuis 8 mois. Mon dieu. On va faire le mode histoire. Une fillette est seule près du parc. Assurez-vous qu'elle ne soit pas effrayée. Livre 1, Kra. Bah allez, ah, j'ai une lettre. Équilibrage. Ouais, d'accord, bon, c'est pas grave. Elle est où? Elle est là. Fillette. Mes histoires. Niveau 1. Kichou, le doudou de chiffon. Je vais ouvrir une canette. Attendez. Ça va. Ok, on s'éloigne un peu. Elle en a ravoqué un autre. Enfin, je mange des ficellos en même temps.
Ah non, attends. On va virer lui. Et on va invoquer un petit piou. Un petit yaki. Oh là là, il en a encore un requin. Okay. Je sais pas si on regagne, hein. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Hein. Vas-y, mais faut que j'en finisse avec le vrai là. Bah oui. Ah non, en fait, chaque chiffon peut en invoquer un autre. Ça finit jamais. Ça ne finit jamais. Voilà, un petit crit. On finit, non mais. Et des vengeurs rassurer les villageois. Lorsque ton personnage gagne un niveau, tu peux choisir un dessin proposé. Je suis censé équiper eux pour l'améliorer de sort pour augmenter les capacités de deck building. Ce choix a peu d'importance, hein, tu les améliorer et débloquer tout ce qu'il arrive. Augmenter celui que j'ai déjà. Niveau 4. Tu vas à Bimi Kishu. Ah, c'est ça qui parle. Sympa. Île compétitif débloqué. Tu viens de déverrouiller l'île compétitive ainsi que le défi PVP. Tu peux à présent éditer ton deck PVP et partir affronter d'autres joueurs. Je suis pas prêt encore. D'accord. Ok. Ok. Toujours utile les kichous, mais après j'ai plus de sous. On va arrêter. Ça sert à rien de tout. On ouvre des coffres.
C'est pas mal. Piles, j'aime bien. La maison au chacha. Les chachas de Pépé et Chacha sont devenus fous, aidez-le à les calmer. Il est. Nous on est là, donc il est là-bas. On doit pouvoir y aller. Voilà, il est là. Oh la voix, j'adore. La maison au chacha. Alors, voyons voir les chachas. Ah, quand même! 34, 34, 33, 34. Ah, mais ça me tue, moi. Mais je suis con. Oui, oui. Au moins, il se rapproche un peu. Oui, bah ça va! Allez, ref, on va se calmer. Je peux pas, je suis bloqué. Il va falloir résister, hein. Comme ça, en fait, ils m'attaquent pas tous. Je perds vite mes PV, hein. Vache. Hop, on s'éloigne. Faut que je me divide quand même. Aïe. Ça va être chaud. Hein. Font du 8 quoi. Ok, plus qu'un. Je vais invoquer mon Yaki. Ça, c'est de la violence pure et gratuite, hein. Allez, on t'achève. Non, mais oh! Je rêve. Ok. Une jeune mère est en panique devant sa maison. Allez à son secours. La mer, elle est de l'autre côté. Ok. Chaque fois, j'ai envie d'aller sur mes touches pour avancer. Masqué là. La maison animée. Oula! C'est quoi? Un livre. Des livres? Quelle est donc cette sorcellerie? Oh, j'ai pas d'attaque. Oh,
Oh, ils sont faibles. À part... Oh, lui, par contre, bibliothèque animée. My God. Ouais, ça devrait aller, oui. Oh là là. Lui, il protège, on dirait. Là, il se renforce. Attends. Mais... Allez ! C'était beau. What? J'ai pas compris. J'ai quand même mis un doute si mon micro était activé. Hein. Toi. On va s'en donner à cœur joie. Oui, j'ai utilisé toute la réserve de PA, mais c'est pas grave. Ah, il a... C'est lui qui en crée. Attends. On va le faire bouger. Débutons un vrai carnivore aléatoire autour de lui. Bah oui, voilà. Ceci explique donc cela. Et occupe-toi de ce truc. Il reste 18 PV. Il me faudrait une carte avec une attaque un peu forte. Il s'enfuit le boug. Hein. Et je peux invoquer mon Colomba niveau 1. Voilà, il peut plus regarder le livre. Maintenant, on en finit. Juste pour l'humilier. 3040, ça va. Enfin, là, il finit ça rapidement. Hein. Ok. Capitaine... Bateau me dit, hein. Capitaine sous le choc, ses hommes ont disparu, et dès lors, elle retrouvait. Capitaine, il est là-bas. Tous des crabes. Quelle est donc cette diablerie? Ok, ok. 100% de chance de riposte. Gagne un ciblable. Donc faut que je détruise les deux là. En fait, faut que j'attaque tous les deux, quoi. Ok, ok, ok. Et on va aller... Merci. Ça fait un peu moins mal que leur attaque de base, quand même. Hein. Je me débarrasse de lui avant eux, peut-être, c'est ça.
Oui. On se barre. Je vais mettre un peu de musique. Non. Allez. Allez, hop. Voilà. Oui, en fait, je m'entendais plus après. D'épée. J'ai pas compris. Ouais, si, il meurt quand même. Je comprends pas le truc d'inciblable là. Je sais pas. Pas tout compris là. Ouais, mais on va pas. Attends. On n'a pas tout dépensé. La course aux pioux. Les pioux voyageurs dans l'univers se sont envolés. Aidez-le à les récupérer. Il doit être un peu plus. Il est là. Là, donc il est là-bas. Hop! C'est des pioux. Ils sont envolés. Tu te fous de ma gueule? Sur un terrain restreint comme ça. Oh, c'était beau ça. Oui.
Hop. Tactique, hein. Allez, mange. Ah, coucou, t'es apparu. Oh, bah, il va me le bouffer à force. Ok, à toi. 25. Bah, tiens. Ah, Eagle. Parfait, j'ai Eagle. J'ai oublié que j'avais Eagle. Nexine à la cible. On est là, 30. Allez, hop. Arrête de me bouffer. Bon, bah, allez. Remporter 5 combats. Le petit succès qui fait du bien. Ouais, j'aime de plus en plus ce jeu. Je sais pas pourquoi. Où est-ce qu'on voit. Il n'y a pas un truc pour les succès? Objectif saisonnier, voilà. Ok, ouais, bon. Vaincre 50 monstres. Déclencher 100 attaques. 150 sorts. Et invoquer 80 compagnons. Y a le temps. Voilà. Se tailler ou se faire tailler. Au parc des buissons maintient en cours. Allez voir la jardinière. Elle est là. Allez. Je devrais lire les dialogues, mais je les lis pas. C'est quoi ces trucs? Buisson fuyard. Allez, ça commence. 5 buissons, purée. Aïe! Oh là là, oh la démarche. Mais... Bah... Merci les copains. Et de... Ils se sont tous alignés. Genre normal. Pas mal ça. Ah ouais, d'accord. Ah oui, bah oui. Je comprends. 25, 26, 29. Toi, je t'aime pas. Attaque-le. Voilà, comme ça, c'est fait. On envoie mon Yaki au goulag. Oula, j'avais déjà dingue. J'envoie mon Yaki au. Au combat. Ouais, il l'a attaqué en premier, tant mieux. Il l'a tué? Oui. Il reste 20. Et on finit.
Grâce à la réserve. Oh, ça fait du bien, ça. On en a combien encore? Il y a quand même pas mal, hein, des histoires sur le livre Kra, là. Les villageois sont la cible d'événements étranges. Parlez-en à Évangeline. Et elle est où, la Eva? Elle est là. L'ambiance semble un peu plus calme. Tu m'étonnes. Jérémie, c'est un vrai défi. Un peu comme être la mère d'une grande famille. Heureusement, j'ai déjà de l'expérience dans le domaine. L'ambiance semble un peu... Oh, la tête! Oh, mon Dieu! Ah, j'aurai un nouveau compagnon à invoquer? Ouh! Coffre. 500 kama et 3000. Ouh! Ouh! Déjà venu me voir. Tu leur as fait forte impression. Je ne comprends pas d'où viennent leurs problèmes. Les objets ne prennent pas vie sans raison. J'aimerais en avoir le cœur net. Tu me guides jusqu'à eux? Bah, allez. Colère de Kra. Ah bah tiens. Il est plus puissant que tout à l'heure, surtout. Je commence, hein. Tu vas voir que c'est pas si méchant que ça. Voilà. Quoi? Oh, il lui a mis un critique. Un critique, là. Wouah! Ah mince, mais c'est à moi de jouer, va? Ah, ok. Je ne savais pas. Elle mange, hein. Voilà. Il était contrôlé. Ah! Tiens! Ouah! Le beau crit, 1-18. Combat le plus rapide. Je n'aime pas ça. On n'a plus vu de possession chouchou depuis longtemps. Allons voir les autres. Les buissons. Des buissons vivants? J'ai du mal à y croire. Et pourtant. Non. Là, elle peut pas attaquer. Non, ça sert à rien. Ah si, elle attaque comme ça. Lui, c'est. Il... Ok. Pire que tout à l'heure. J'en étais sûr. Ne les laisse pas s'enfuir. Allez, Jojo. Il reste un truc là. Ah voilà. On passe niveau 5. Nickel. Hop. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Si. Les livres. Oh bah là ils sont directement en chouchou, allez c'est bon. C'est une invasion.
Oui? Je vais me déplacer. Allez. Règle, transforme les deux gamins en chuquette et les livre en parachute. Ok. Bon bah là. On va en finir comme ça, je crois. Ah ouais, c'est acharné là. Vas-y, venger. 3000 XP, 3500, 550 XP. Ok. Propre. Les chouchous n'avaient plus la force de s'attaquer à nous jusqu'ici. Qu'ils recommencent ne me dit rien de bon. Reste sur tes gardes. Et préviens-moi si tu rencontres d'autres phénomènes étranges. Oui, chef. Je prends le relais auprès des villageois. Alors. Mes compagnons. J'ai pas assez pour l'améliorer, c'est pas grave. Donc. Et on avait une sensation. Mes sorts. Non, si tu veux. On en a encore? Ok. Mettez Eva à la place. On a des coffres. Horloge. Ah, x3. Ok. Réal niveau 5. Je peux pas aller plus loin que mon niveau à moi. On va acheter ça. Okay. Trop cher. Bon, on va continuer notre histoire. Ogrest. Précaré. Ogrest est en mission à Astrub. Partez à sa rencontre. Il est où? Il est là-bas. Vous avez vu mes fleurs?
Tout petit. Oh, Crest. Petite Crest. Il était un petit ogre. J'aime bien. Ah, c'est lui qu'on affronte? 2500 d'XP? Bon Dieu. Ah ouais. Donc on va avoir l'aide de Grèce. Ah, faut protéger les fleurs. Il y a des vagues. Ok. Oh, c'est différent de d'habitude là. T'as raison, Grest, t'as raison. Par contre... On peut bouger tous les deux. ...50% d'attaque au personnage qui les déclenche. Ok, propre. C'est utile. Ouais, c'est chaud. Sur 4. Je peux invoquer Eagle. Quatre sur 4. Oui, Eagle, oui. 15, 24. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est du beau combat. Magnifique, on a un petit piou. On va se faire plaisir là. Vaincre 50 monstres. Bah voilà, ça c'est fait. Et en plus niveau 6. On gagne des coffres. C'est propre, c'est propre. Il est trop mignon. Île aux monstres débloqués. Livre 1, crabe précaré. Félicitations, tu viens de déverrouiller tes premières îles aux monstres. Tu peux retourner sur le port et utiliser ton bateau pour les explorer et affronter de nouveaux adversaires. Va à l'aventure, t'appelle. Bonjour. Vous avez vu mes fleurs?
Chant des pivoines. Des monstres s'intéressent aux pivoines de Grest. Aidez-le à les défendre. Trop mignon. Je suis désolé, mais il est trop mignon. Niveau 2, niveau... Ça va être chaud. Ouais, qu'est-ce qu'il a ? Ah. Jaloux. Il y a des vagues? Trois vagues. Parfait. Ah, j'aime bien ces combats-là. Challenge. Ce combat ne peut pas proposer de challenge. Ok. Je suis limité à 6. À 6. 6 points là. D'action. Mais je sais pas si je peux en avoir plus. Ouf. Ça les téléporte? Ok, alors qu'ils subissent une attaque. Très bien. Pourquoi pas? On va dire. Il y en a beaucoup, hein. Ok, parfait. On peut l'invoquer. Un peu le bazar, hein. On comprend plus rien là. La vague est finie. Enfin, c'est la dernière. Ça va, oui. Non. Mais bon, je peux attaquer ou pas? Cinquante, il fait. Je pense que je suis pas prêt pour celui-là. Je pense que je vais mourir. Je suis mort. Pratiquement mort. Non, moi je suis mort. Je suis clairement mort pour ce niveau-là. Ouais, c'était sûr. C'est que je suis pas assez fort. J'ai voulu enchaîner, mais voilà. Je suis pas assez fort pour ce moment d'histoire. Donc on va aller affronter des monstres. Qu'est-ce qu'elle nous veut, la dame? Quête. Le bois des Gligli. Je pouvais élever au niveau de mon perso, apparemment.
Billy Jones. Gros Bill. Est-ce que cette bouse? Oh, l'accent. Il y a des pièges, hein. Ah, j'ai gagné un point. Oui. Oups. Excusez-moi, j'ai invoqué mon pupio. On va s'éloigner. Ah, elle est deux en même temps. Elle est mouillée, elle. Attends, ça fait quoi? Ok. Moi aussi j'ai le droit de les entourer un peu. Ok, mon Yaki est mort. Ok, les poteaux. Ah, plus. Ok, ça l'a soigné. Il ne doit pas mourir. Voilà. Histoire de bien humilier. Ok. On va faire une ouverture de coffre. On a 5 coffres à ouvrir. Ok. Bah, horloge, hein, tant qu'à faire. On va prendre ça. Ça. On va prendre ça. Ok. Ok. Et là, je peux pas le faire plus. Ça m'intéresse. Un bouclier, ça peut que m'intéresser.
un overbooké. 10% en plus, ok. Donc là, je suis à 5% aux dégâts de mes sorts élémentaires. La passion d'un de vos compagnons, plus 20% à sa vie max. Plus 5% aux chances. Un horrible. J'ai mis aucun anneau ? Bon, on va mettre les 4. Je savais pas que je les avais pas. Ah, ça va changer la donne. On va aller sur l'île des monstres. On va prendre notre bateau. Ah, c'est ça les îles. Île des bouffes tout. On va récupérer aujourd'hui. Du canard dans votre room. Non. Ça. Une jauge d'eau. Qu'est-ce qu'on peut récupérer dans les dans l'île là? Ok. Il débouffe tout. Petite pause. Comme ça, je vais aller me chercher un truc à boire. Je me détends. Et on revient. Ça marche? On fait comme ça. À tout de suite.
Heureux? Bon, c'est bon, j'ai fait mes petites affaires. Je vais me chercher des petits bonbons. Allez, c'est parti. Chatterton. Niveau 2, il y a des quêtes quand même. Élevage intensif. Voilà, ça augmente bien. Les petits bouffetous. Bouffetous, bouffetons. Ok, ok. Les attaques de gigalouin. Ah, c'est bête. Le mec qui s'acharne à essayer d'attaquer. Ça comme ça pour évangélisation, je sais pas si j'en ai assez. Allez hop. J'aime bien les musiques. Oh, en vrai j'ai perdu mon Skittles. Il est où? Mange-toi. Ah, un petit yaki. L'antenne là, on va en finir. Voilà, chapitre 1 en bronze. Ah, il y a un challenge. Mince, bon, pas grave, je l'avais pas vu. Rune d'équipement. Ok. On va voir, c'est un challenge. Tous les adversaires doivent être achevés quand votre adversaire a au moins quelques cases de distance. Ça va être dur, ça. Je l'ai gâché.
Attaque-le. Oh, l'enchaînement, il était fou, là. Oh, ils me font des hits, des crits, là? Ok. Non, il est mort. Faut que je fasse gaffe. On essaye de réussir ce challenge, hein. Ça apporte des choses en plus, là, hein. Je peux rien faire. J'ai pas les sorts qu'il faut, je suis dégoûté. Ça oui. On peut pas les achever en faisant un coup direct. On s'éloigne le plus possible. Ah, ça l'a pas achevé. Là, ça l'achève. Une bouffetonne avant qu'elle n'avoque qu'un bouffeton. Ok. Et en plus, je suis passé niveau 7. Mais alors là, ça, c'est magnifique. Oscillation. On va prendre ça. Challenge réussi. Ouh, on a gagné pas mal de choses là. Jeton bouffe-tout. Kilby. Attends, des choses intéressantes là. Ah, déjà, ok. Ça. On va augmenter les points de vie. Ah, on a un brassard. 10% d'attaque, mais on prend. Horloge. Par contre, oh, il vaut cher Kilby. Attends, déjà. Déjà, j'en avais que. Frappe temporelle. Ça, c'est propre. Pendule. On va prendre ça. Par contre, chrono plus 18. J'en ai en fois 6. Bah. Y a pas d'autre, tu me diras. Et puis j'en ai besoin. Allez, on va rester avec ça comme deck. Il est pas logique, mon deck. Oh, coffre géant de compagnon.
Lui. Et lui. On va prendre ça. Az! Bah oui, on va prendre Az! Bien entendu! Mais pour l'instant. Ah, quoique. On doit te casser au perso. Ouais, mais. Niveau 6. Allez, on fait. Oh my god. Challenge, toutes les attaques de l'attaché avec l'attaque d'un. Toutes les attaques avec l'attaque d'un compagnon. C'est mort, je le réussis pas. Ce challenge, il échoue. Direct. Ah oui! Je vous aide? Ok. Alors, aïe, mais ils font mal. Il a pris son crit, hein. Hey, gueule. Défoule-toi un peu, là. Oh, il est pas mort. Oh, il est pas mort. Oh là là, un PV. Du Waven, ça change de GTA. Ah oui. C'est vrai que ça change de GTA. On a fini là. Ça change de GTA, mais comme le serveur Utopia RP est fermé le lundi maintenant, bah du coup je me suis dit pourquoi pas faire un autre jeu et du Waven. Voilà le pourquoi du comment. Bah c'est cool. Et bah heureux que ça te fasse plaisir. Heureux que ça fasse plaisir, moi ça me fait plaisir si ça vous fait plaisir. On tente le niveau 8. On tente le niveau 8. À 23h j'arrête. Je ferai pas autant que du GTA cette fois.
Ah, attends, c'est quoi le challenge? Héros doit être achevé. Ok. Allez, un petit Mijipil. Non. Après, je parle pas trop, c'est vrai que je suis concentré, mais voilà, le cœur y est. Fait mal, lui. Malade. Ok. Maladie, c'est ça, d'en retrouver à la fin du tour. Ah! Bien essayé. Et on dit bonjour. Voilà. Et... Bouffe-pou. Il faut surveiller son deck, hein. Ah, tiens, j'ai l'air que je l'avais. Alors. On va voir. Donner. Là, ce soir, il me... Oh là, c'est quoi ça? Ah non, c'est bon. J'ai eu peur. Attendez, j'ai un souci. Ok, c'est bon. Attendez. 19, 20. Lui me casse la tête, déjà. Hop. Je préfère en finir avec lui. Hein. Ça va être chaud. Je vais perdre, je pense. Ouf. Elle a fait mal. Hein. 38. Ah, ça peut le faire. Ok. Ah, je crois que je suis mort. Il en a invoqué un deuxième, ah, je suis mort. 22 points de vie. Oh. Un peu de chance. Dommage. Ah, s'il a pas sauvé cette attaque. Niveau 10. Niveau 4. Allez, on va aller faire les... C'est long. Faut que j'augmente mon niveau un peu là. Ok, vaincre quelqu'un qui se cache dans un bouffe-tout. Les bouffe-tout ne doivent pas mourir. Lorsqu'un bouffe-tout speedy révèle quelqu'un s'il est caché dedans. Ok.
Ouais. Ah, ça se téléporte. Comme ça. Ils font mal, hein. Je me vénère. Oh! Attends. Oh, c'était pas lui. C'est pas simple. Je suis un bouffe-tout. Ouais. Je te le fais pas dire, la galère. Allez, on va utiliser lui. C'est la galère parce qu'il faut pas que les bouffe-tout meurent. Réfléchis. Voilà. Ouf. Mon Dieu. Un ophtalmo. Sa vie max. Ok. Et arrêter quelqu'un. Bien joué, tu as trouvé quelqu'un. Vraiment, quel nom ridicule. Ah, c'était ça sa quête. Oh, la quête. Ouais, non. Offre d'équipement. Feu, 55 chances de réduire son coup de poing de 1. Ok. Coffre de compagnon. On va augmenter. Oh, il y a Amalia. Si on peut essayer de tous les avoir. On va pas cracher, hein. Ok. Il y a un champion croulant. 20% apparition. Attends. Apparition d'un de vos compagnons. Plus 20% à sa vie max, plus 2% de vie à vos compagnons. Votre héros à sa vie max. Ouais. Ah non, c'était lui. Pardon. Ouais, mais sans conduire. Ouais, pff, pour les compagnons. On va voir. Pareil de shafter. Déchaffeur. Challenge en combat. On va essayer l'île des chaffeurs. Les morts se lèvent, mon ami. Mon frère se charge de réguler les chaffeurs du donjon. Et moi, je m'assure que ceux de l'extérieur restent. Je ne vous cache pas que les combats sont hasardeux et que...
partir du niveau combien? Niveau 2. On prend. Challenge. Les héros doivent se trouver au coin, dans un coin du plateau à la fin du combat. Oh mon dieu. Et ben on peut déjà invoquer un petit Yaki. Piège osseuse sur sa case. Le repousse de deux cases. Et un petit crit. Ok, c'est ça que ça fait. Ok, ok, ok. Pas de soucis. Bon, on va pas bouger de la case. Ok. Sachant que là, ils sont... C'est chaud. C'est chaud, mais ça reste à mon avantage. One set. Oh là là! C'était beau. Et en plus, on passe niveau 8. Aiguille venteuse. Et ben, on prend. Ah, j'ai gagné un nouvel équipement. Ça fait quoi? Un sorter, mais ça m'intéresse pas. Ok. Par contre, ce sort-là m'intéresse. Passe à 51 de dégâts. 50. Ah. Moins 2 points d'action. Non, bah non. Ah. Attaque plus 3%. Mais je prends. Un coffre d'équipement. Alors, déclenche rebond. On peut prendre ça. Intéressant. Ok. Niveau 4. Oh, c'est quoi ça? Dans une case adjacente. Ok. L'adversaire s'y veut avec la tête. Non, ça on va pas le réussir, on réussira jamais. Allez, ça commence. Ah oui! C'est vrai. C'est pas grave. C'est à moi. Ah, attends. Bah, je prends.
Hop là. J'adore ce truc. Hop. Ils sont en train de m'entourer en plus. Intense ce combat hein, pour du niveau 4. Hein. L'ambiance diffère d'une à une autre, c'est fou. Ouais. C'est vrai que sur l'île des bouffetons, là, c'était autre chose. Et là, c'est plus glauque un peu. Même la musique. Mais j'adore. J'ai marché dessus comme un crétin. Et ouais, je suis d'accord. J'ai plus que deux sorts. Bah écoute, renaissance. Sans subir de rat très tranquille. Que niveau 6, on va essayer. C'est quoi? L'adversaire civil doit être échangé. Non! On va attendre qu'ils se déplacent. La musique de ce combat et même de l'île, j'adore. Du combat précédent? Ouais, je suis d'accord. J'aimais beaucoup aussi. L'île, ouais, j'ai pas fait attention à la musique de l'île, faut que j'écoute après. Mais là, cette musique-là. Oh, j'adore. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a moins de latence que sur GTA avec Waven. C'est cool. Il y a un peu moins de... Mais en même temps, de ce que je vois, ouais, un peu moins. Mais ouais, non, non, mais en Kama, ils ont fait un truc de fou sur ce jeu. Vraiment. C'est quoi cette merde que j'ai là? Ah, c'est un hibou devant. Oh, mais je peux invoquer mon Yeki. Bouffe ça.
Manche. Oh, mais tu m'enquiquines. Je n'aime pas être dans le coin. Ils sont trop forts pour moi. Je bouge la tête sur le rythme. Ouais, mais pareil, pareil, pareil. Vous commencez à m'enquiquiner sérieusement, les gars. Ok. Allez. Oh là là. Magique l'enchaînement là. Oh, je les ai enchaînés d'un coup. Trop fier. Merci. Wouah. C'était chaud quand même. C'était chaud. On va avancer un peu. Azrael. Trouvez-le, il sera vous récompensé. Ça fait... Dans la voix. Ah, niveau 10 quand même, hein. On reviendra plus tard, hein. Il y a une autre île, je crois, non. Avril. Faille chouchouter. Y'a rien dessus. Oh, mais on était... c'était celle du début. Oh, mais on l'a déjà faite. C'était l'île du début, ça. Île des cochons. Aider les caporales Blazaï à libérer les Bontariens. Ok, allez. Bozou. Oh, de la chair fraîche. Mon maître apprécie la qualité. Il
sait reconnaître la bravoure et la sagesse d'esprit tout autant que la tendreté d'une viande bien charnue. Il m'envoie ici pour accueillir les quelques visiteurs, tels que vous, curieux de s'aventurer en territoire cochon. Et si vous poursuivez, seules deux issues. Vous souvenez où il commencera ? Et mon maître récompense. Je vous propose d'évaluer vos aptitudes dès maintenant. Bah allez. Oh la tête des cochons. 50% de dégâts de coups critiques. Mon dieu. Bah, on va essayer d'en finir. Hein. Un point de mouvement à la cible. Ok, c'est pas grave. Oh bien la musique, ouais, j'avoue. J'aime bien. On a invoqué un compagnon. C'est mieux de t'achever avant d'invoquer un compagnon. Bah si on peut ne pas invoquer de compagnon là, ça serait bien. Hop. Moins 30. Alors. Sur GT, on va pas le temps passer en général. Hein. Jouer 150 sorts, déclencher 100 attaques. Oh, deux objectifs d'un coup. GG, merci. On a gagné le gros lot là. Super coffre de sort. Ah, deux récompenses. Ben voilà. On a des équipements. Ouais. Et on a un nouveau compagnon. Coqueline. Non, bon, t'en reste pas. Niveau 4. Allez, niveau 4. C'est quoi le challenge? 15 au centre, du centre. Ok, ouais, on va pas le réussir sur le challenge là. Parce qu'il a pris la case. Tout, 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 tout. Ça fait plaisir d'enchaîner comme ça. Ninja cochon là.
Ça me donne presque envie de regarder Shuriken School encore. Oh, ça date, ce Shuriken School. Allez. Oh, le 33. Le 33. Finalement, j'aime bien. On continuera, on fera d'autres lives dessus. Ouh, ça fait mal ça. Tête de nœud. Toum, 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 toum. Allez. Un petit crit de vin. C'est beau. Tic, tic, tic. Voilà. Moins 60 critical. Qu'est-ce qu'on aime bien, ça, franchement. Oh là 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 là, c'est beau quand même. Anomalie. Ouais, pour tant pis. On a lui. On a ça. Frappe temporelle qu'on peut augmenter. Ah, c'est beau. On aime les critical. Oui, j'adore ça. Niveau 6. L'adversaire ciblé de trash avec un sort. J'ai envie de te dire rien de plus simple. Ah, à chaque fois j'utilise, je devrais garder. J'y pense pas. Hello, bon stream. Bonjour, bonsoir, pardon, ma pauvre fruit. Merci beaucoup, c'est gentil. Merci à toi. Bienvenue. Bienvenue sur ce live. Chill détente. Tâche fait. Voilà. Oui. C'est gentil ça. J'aime beaucoup ce genre de petit encouragement. On aime beaucoup. Ils ont beaucoup de vie, hein. Éloigne-toi. Toum, 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 toum. Oh, les musiques de fou. Je m'ambiance. Ok, alors. Le 33 qui fait plaisir. Je suis niveau 8, parce que j'avais commencé il y a 8 mois, et là j'ai repris après 8 mois, aujourd'hui en fait, là, pendant ce live, ça fait 2 heures que j'ai repris. Donc je découvre encore le jeu. Ouais, ça a rien fait ça. Toum, 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 toum. Ah, je pouvais manquer un Yaki. Ouais. Il va pas être de trop le Yaki. On enchaîne.
Voilà, on l'achève comme ça. Ça sera pas plus mal. On va prendre ça. Petit coffre. Hop. Je vais faire ça. Faut que j'économise mes kamas, moi. J'en ai plus. Et cela. On va tenter le niveau 8. Allez. Je suis niveau 9, pardon. Pas niveau 8, niveau 9. Alors. Ouais, c'est en 2 heures de jeu là, presque. Je suis arrivé à niveau 9. J'avoue que quand j'ai essayé le jeu, j'étais pas hyper fan. Mais au final, en une journée, j'ai fait des découvertes en live pendant 1 heure, ça m'avait pas forcément plu. Puis 8 mois plus tard, j'ai voulu réessayer de jouer. Et bah. Je kiffe. Je m'amuse bien dessus. C'est cool ce jeu. Mais en même temps, j'en entends beaucoup parler en ce moment sur TikTok et tout, donc je me suis dit, vas-y, on va y retourner. Voir ce que ça donne. Et bah, je suis pas déçu. Il m'a pété dessus. Dégueulasse. Ouais, puis là, c'est la saison Wakfu, apparemment. Donc, pourquoi pas. Mais oui, c'est drôle, c'est drôle. Pour l'instant, c'est assez drôle. J'aime bien. On prend. On voit qu'il y a qui. Mais j'aime bien l'univers, ouais. Ankama a fait des trucs de fou sur ce jeu aussi. Incroyable. Ok, on va faire ça. Je vais me péter dessus. Non, c'est bon. J'ai eu peur. Alors, attends. Voilà. Hop. Ok. J'ai pas regardé c'était quoi le challenge. Avant d'utiliser votre réserve. Oups. Ça et ça. Ok, à toi. Oh bah, s'il m'a pété dessus. Encore. Il reste 33. Ok. Bon, alors là, mon pote.
Voilà. J'adore ce... J'adore utiliser ce truc-là. Aider le caporal Bleuzaï à libérer les bons tarés. On essaie de trouver le caporal Bleuzaï, là. Il est où? Il vous en faut 15 pour pouvoir y accéder. Ok. Bon. Mais aussi, ça fait plaisir. Jack, Lika. Niveau 4. On va essayer. On va bientôt se laisser, de toute façon, pour ce soir. Je pense. Oh, la musique! Bah c'est lui. Oh la musique elle est folle. Je ne laisserai pas un des biens se faire briser. Oh la musique. J'adore. Qui va là? Attendez, vous n'êtes pas un cochon? Vous n'êtes pas un cochon? Je ressemble à un cochon. À vrai dire, vous tombez bien. Ces infâmes cochons passent régulièrement par ici après leur pillage. Avec des pontariens capturés. Nous surveillons l'endroit pour les empêcher de passer et libérer des otages avant qu'il ne soit trop tard. Si vous en voyez un, criez. Ah ! Les cochons, ils sont là. Ils ne doivent pas... Elle vole, la dame ? Suce à l'ennemi ! Bah, suce à l'ennemi, hein. Ça va être le titre de la rediff sur YouTube. Suce à l'ennemi. Eh bien, avec joie. Mais... Pourquoi j'ai fait ça? J'avais pas prévu que ça fasse ça. Il va se faire enlever. Rip, hein. Attention, ne les laissez pas s'échapper avec l'un des nôtres. J'attaque. Ah. Ah bah d'accord. Ah ça fait ça. Ah d'accord. Ok. Je devais quitter mais... Je suis désolé mais je resterai pas sur ça. On va réessayer. Je ne peux pas rester sur cette défaite. Allez, passe. Quand on part, il ne doit... Non, non, mais je reste pas sur cette défaite. C'est mort de chez mort. Je ne peux pas. Je m'occupe de mettre les miens à l'abri. Je ne peux pas rester sur une défaite comme ça. Je ne peux pas. Mais c'est impossible! C'est impossible. Vous voyez, il y a une mécanique que j'ai pas. Je pense que c'est ça. Je pense que pour ce truc-là, il y a une mécanique que j'ai pas, mais...
Je sais pas. Allez hop. Je sais pas. Aucune idée. Alors là. Ouais, je sais pas. Je ne comprends pas la mécanique sur ce cours-là, sur ce coup-là. Ah, mais je viens de voir un truc, attendez. Bah oui, effectivement. Non, là, ça va, y'a rien. Non, vous voyez pas mes sœurs, après. Effectivement. C'est mieux, là. Ah, je pense à le redécaler pour GTA et tout, mais c'est pas grave. Ou je le changerai, peut-être. Parce que c'est un peu gros. Pour les grands pseudos. Bref. Hop. Avec l'attaque de votre héros. Ok. Allez, un petit peu mazou sur les bords. Oh, la musique, elle est chill. Hein. Tellement chill. Tiens, la carte que j'attendais. Oh, ça m'intéresse, ça. Eagle. Tellement chill, ouais, je suis d'accord. Si tu parles de la musique, oui. Le combat, pas trop, pas tant que ça. Critique. Ou le critique qui fait du bien là. Oui, de la musique. On sait jamais. Hein. Peut-être le combat que tu pourrais trouver chill. Ah. 5 PV. Allez, on finit le challenge. Comme ça, on est bien, on est carré. Et en plus, on finit sur un niveau 10. Bon, alors là, que demander de plus? Ok, ok, ok. Coffre de niveau 10. Un coffre géant d'équipement. Avec deux récompenses à la clé. Alors déjà ça. Ouais, on peut prendre ça. Encore. Alors ça et...
celui-là. C'est bon ? J'ai plein de sorts à améliorer. Bon, on fera ça une prochaine fois. Plein de trucs à améliorer, là. Ok. Champion du blasphème. On a celui-là, ouais. Ok. Ok. Bah écoutez, on va s'arrêter là pour ce live. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. YouTube, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette rediffusion de live. Le lien de la chaîne Twitch est dans la description. On va faire du Haven, je pense. Pas forcément, mais globalement, presque tous les lundis. Puis le reste de la semaine, c'est dédié à GTA, comme vous le savez. Mais voilà, on verra peut-être le lundi refaire du Waven. Sinon, j'en ferai en vidéo aussi, parce que ça me plairait bien d'en faire. Il faut que j'arrête de vous bombarder de rediff de live, il faut que je vous fasse plus de vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à venir sur Twitch, ça me ferait extrêmement plaisir. Voilà, si cette rediffusion vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire. On va se mettre là, c'est mieux. Un petit commentaire, un petit partage, à vous abonner à la chaîne YouTube et à venir voir sur Twitch, à vous abonner, ça ferait plaisir, vous pouvez vous abonner et faire en sorte d'avoir aussi les notifications de quand je live, comme ça vous le saurez, et vous pourrez venir avec nous sur les lives, que ce soit du Waven, du GTA ou d'autres jeux que j'ai prévus. Voilà, j'espère en tout cas que ce petit live de 2 heures quand même vous aura plu. On essaie de s'améliorer, là je faisais une demi-heure, voire une heure, on s'améliore quand même. Mais voilà, en tout cas, je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit. Je vous dis à bientôt, c'était Kitsu, portez-vous bien, bye tout le monde.